Il s'appelle Léonard Néné Bigoré et il est le nouveau chef de la tribu Bonon. C'est au cours d'une cérémonie à Waribota, village de la commune de Bonon, qu'il a été officiellement investi et présenté à la population. Troisième chef de la tribu de Bonon, après respectivement Laleyabi et Vlamiyabi, Léonard Néné Bigoré est un ancien cadre à la retraite. Sa cérémonie d'investiture a été parrainée par le ministre Epiphane Zorobi. Mon allocution, c'est vraiment des mots de remerciement à tous et souhaiter que le chef de tribu que nous venons d'investir exerce sa mission pour le bonheur de la communauté. Que Dieu vous soutienne, que nos ancêtres vous fortifient, que nos ancêtres vous inspirent pour que notre tradition puisse vivre, puisse être renforcée. Le ministre a invité les dirigeants à adopter une attitude responsable en précisant que la chefferie traditionnelle doit rester en dehors des enjeux politiques. Localité située au centre-ouest du pays, Bonon appartient au département de Boisflay, dans la région de la Maraoué. La cérémonie d'investiture du nouveau chef de tribu Bonon, Léonard Néné Bigoré, a été l'occasion de réunir les personnalités du département. Le préfet de Boisflay, les habitants des différents villages, ainsi que le maire de Bonon ont fait le déplacement.